Vous me dites quand vous êtes prêt, là. Ah, Je moi suis je suis prêt. prête. Moi je suis prêt. Y a-t-il quelqu'un qui est pas prêt? Non, tout le monde est prêt. Donc. Parfait. Oh merde. Oh yeah! Yeah! Il y a juste Greg qui a... Yeah! Donc saison 2 de Evocube, yeah! Mais là, c'est normal, tout le monde n'est pas là, mais c'est un peu dur d'être disponible tout en même temps, surtout que l'école n'est pas finie pour certains. Je préfère que tu commences à Donc, pas le temps de niser. alors, je vous souhaite la bienvenue sur Evocube saison 2. Alors, on a un petit nouveau qui est What's lui. up? Shit. Donc, il est en ultra hardcore, là, ça va, faut le préciser. Ouais. Donc, on l'a mis en ultra hardcore, mais en mode difficulty easy. Donc, ça fait du médium. Ouais, en fait, c'est plus ultra hardcore, c'est ultra medium core. Ouais. Wow. On va appeler du Traduction de merde. UMC. Yeah. Yeah, UMC. Par changement. Et autre chose à dire, pour les autres, il devrait être là pour les autres épisodes. Jusqu'à aujourd'hui, il pouvait pas être là. Puis nous, on avait dit qu'on commençait aujourd'hui. Tant qu'on commence aujourd'hui, c'est de On même que a ça d'autres marche. nouveaux invités aussi. Ouais, alors, invités qui seront là, ben invités, nouveaux membres en fait, Ouais. qui vont être là dans la saison 2. Alors, on a Greenpeace, qui était là dans le début de la saison 1, mais qui est parti pour cause de maladie mentale. Non, je rigole. Non, il est parti parce que je crois qu'il avait changé de motivation pour d'autres jeux vidéo. Bref, je sais pas trop en fait, je vais pas m'avancer trop là-dessus, mais il était là au début de la saison 1. Mais il revient pour la saison 2, hyper motivé. Alors, il y a aussi Cherry, une fille. Une Enfin. fille! Let's go! Donc, elle a pas beaucoup d'abonnés, donc allez vous abonner. Ah, je peux aller voir, hein, ça. Elle fait du bon boulot. Quel Lol. bâtard. C'était La lâche. smart produit, man! Donc en ce moment, elle pouvait pas être là parce qu'elle est gravement malade. Elle a eu un coup de hache en arrière de la tête. Ah, Son putain, frère, non, c'est pas naissance! vrai. Coupez le bug! Je dis vraiment n'importe quoi quand. Ben en fait, je dis tout le temps n'importe quoi. Bon. Ça s'entend à nos voix Je qu'on est vous quand même présente content. Jimmy. On est content quand même de recommencer cette saison. On Ah ouais, l'attendait, tellement. on l'attendait. Hell yeah. Diamond. Oh, pour de vrai, il y en a juste un. Ouais, j'arrête ça. Ok, donc là j'ai comme peu de nourriture, juste un diam. Puis il va falloir que je retourne à la surface. Puis là, évidemment, donc j'ai plus de bois pour me faire une pioche, ça a été grandement la merde pour retrouver mon chemin, parce que je pouvais pas briser de bloc. Donc, il fait nuit. Youpi. Je peux aller couper du bois par contre. Ok tout le monde, vous avez peut-être absolument rien compris de qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'étais en train de faire le montage en ce moment.
puis je me suis comme rendu compte que c'était comme vraiment pas clair. Donc, bienvenue pour Evocube saison 2. Donc, c'est un serveur ultra hardcore avec des youtubeurs québécois. Donc, les liens sont dans la description de leur chaîne. Sinon, donc c'est ça, c'est un serveur ultra hardcore en vanilla, en 14W21B, donc la dernière snapshot. On va tout le temps être en dernière snapshot. Vous allez vous rendre compte, donc je mine un peu et je fais la maison du mineur, donc c'est une petite cabane pour aller miner, là, pour, c'est ça dans le fond, parce que j'ai comme pas vraiment expliqué, parce que j'ai comme passé les scènes où c'est que j'expliquais, parce que c'était comme, ça devient trop long. Je vous expliquerai peut-être, à la fin de l'épisode, j'explique un peu pourquoi, qu'est-ce que c'est mon but. Donc j'espère que vous appréciez cette série, c'est vraiment comme, genre on est en multi, puis on fait du Minecraft Vanilla. Mais voilà, ça va être vraiment badass. Parce que j'ai beaucoup d'idées, ça va être vraiment chill. C'est ça, donc... ouais, en gros, donc les personnes dedans, ce sont dans la description, mais on en a parlé un peu au début, je pense pas que j'ai ôté cette botte-là. Si mes souvenirs sont bons. Puis sinon, désolé, genre, vers les 4 minutes, aux 6-4 minutes, là, genre, je sais pas, je suis comme... Je sais pas, je pense qu'il y avait quelqu'un comme dans la maison, ou je sais pas, il était comme super tard, genre, parce que comme je parlais vraiment pas fort, genre, je me souviens plus exactement qu'est-ce qui se passait, peut-être j'étais comme, je sais pas trop, mais genre, ça, je parlais vraiment pas fort, puis j'avais l'air comme un peu, je sais pas, genre, pas de bonne humeur, c'est pas que j'étais de bonne humeur, j'étais pas de bonne humeur, je suis jamais de mauvaise humeur, puis, donc, voilà, dans le fond. Je vous souhaite un bon épisode, même si là, ça fait à peu près 4 minutes que vous avez écouté la vidéo, mais c'est pas grave, hein, on fait tout le temps des intros à part, voilà. Donc, l'intro aussi d'Evocube qui est au début, comme c'est Jimmy qui l'a fait. Donc, qui est aussi le fondateur, qui est aussi le gars que vous avez vu en entrant, qui est aussi. Pas mal ça, dans le fond. Putain, je m'étouffe moi-même. Et donc, je vous dis à la prochaine. Bah, à la prochaine, non, je vous dis bonne vidéo. À la plus. Et voilà. Donc, la cabane du mineur. Bienvenue. Ça n'a pas été trop long, mais je suis content d'avoir choisi l'un des 8. J'avais jamais utilisé. J'ai jamais joué à 1.8, puis j'avais jamais utilisé ces trucs-là. Et dans le fond, je vais juste laisser charbon puis des sticks. Puis. C'est ça. Peut-être en boucher avec la cobre. Je prends. N'avait rien vu. Maintenant c'est vraiment cool, les parties stack. C'est une espèce de bonheur intense. Genre. Que donc ça vient à grosse veine quoi. Écoutez, c'est pas la plus belle non plus, checker. C'est vraiment elle la plus cool, mais pas si pire. Genre pour des pathways là dehors. Checker, c'est comme blanc mais tout craquelé. Puis pour le style de base que je vais faire, vous allez voir, ça va peut-être pouvoir être intéressant. Donc je sais pas exactement. Là. J'ai plus des idées, j'ai pas vraiment de plan défini. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas si les autres qui ont décidé de faire une maison au spawn. Moi oui, en tout cas. Donc je vais faire une maison au spawn. Puis c'est ça dans le fond. C'est ça qu'on va faire cet épisode-ci, puis le prochain. Après ça, ben, on verra là. Mais c'est pas ça. Oh, c'est quoi qu'il y a là? Oh. Oh. Elle est sweet la maison? Oh shit, ok, ouais. Ils sont sérieux là. Mais genre, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est une future maison. Mais genre, quand même, hein. Hutte de Goulter Barbare. Ok, puis ça je pense c'est Alec puis Thierry. Monsieur Abanix. Donc moi je vais peut-être m'installer en haut de cette petite butte là. Troisième pomme. Ok oui.
Et vous voyez la joie? Hein? Vous voyez la joie? Ben, imaginez plus de joie encore. Tadam, une autre pomme. Il manque juste un autre lingot d'or. Donc, je m'en retourne miner pour essayer de faire plus de diam. Puis, si je me trouve un autre or, je vais même pouvoir me régénérer ma vie au complet. Donc, c'est vraiment cool. Je vais porter ça aussi. Oh! Oh! Mais non, là, c'est comme la recette du bonheur. Putain, ça veut dire que je vais m'en avoir fait genre 5, moins 5 en très peu de temps, pareil. Alléluia. Youpi. Tring. 15 diamants. C'est assez. Pas d'or par contre. Tant pis. C'est vrai, il y a le nouveau système d'enchantement. J'ai complètement oublié ça. Efficiency 1. La piste lazuli, je vais bien l'éliminer ce maintenant. J'ai pas oublié. Oh, putain. Tac, 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 tac. Et puis, top d'enchant. Yay. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une ferme à poulet. Et donc, je me suis dit avant de faire la maison, il faudrait peut-être une ferme à blade parce qu'on va faire un tour en chambre parce qu'on est cool. Fait que voilà, j'ai décidé de faire un petit champ de blé. Un petit champ de blé. C'est peut-être un peu. Un peu faible, mais c'est ça. Puis je me suis fait un lit parce qu'il y avait des moutons par là-bas quand j'étais allé chercher des graines. Sérieux là, j'ai cherché des graines vraiment loin. Je me pris comme à peu près 4 stacks de graines, c'est vraiment ça le plus long. Puis le plus chiant, ça prend un été. C'est chiant. Donc, j'en avais deux là en plus. Bon. Donc c'est sympathique, je me suis fait plein de sable parce que je voulais faire. Que ce soit juste bête. Puis évidemment, je remplaçais le sable par de la terre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc ça va être peut-être aller commencer à travailler un peu. Je vais pas refaire la maison créa, mais travailler un peu sur le pattern. Juste c'est pour savoir. Donc je me suis fait un ding sac. Ça va peut-être être sympathique pour un plus tard. Puis en même temps la ferme à blé, ça va être aussi pour un peu de bouffe là, parce que voilà, c'est chiant. Parce que j'ai pas d'arc, donc je peux pas faire la ferme. Je peux pas continuer à faire ma truc. C'est chiant.